Hello ma Pixie Army, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce nouveau vlog qui commence. Aujourd'hui donc on est à 2 jours de mon départ pour la Disney Cruise Line. Et pour cette nouvelle journée j'ai choisi d'aller autant au Disney Studio que ce soir à Magic Kingdom. Donc pour l'occasion j'ai fait très simple, j'ai juste un t-shirt de Mickey, un short et des chaussettes Mickey associées, pas de Disney Bound. Et je vous emmène avec moi dans cette nouvelle journée. Be our guest, be our guest. En fait, Mickey et Minnie sont séparés, mais on voit les deux. Et on commence par Minnie, donc je ne vais pas pouvoir y échapper. C'est bien, je suis sûre que vous vous délectez dans cette vidéo de me voir interagir avec Minnie. Hein, super! Sincèrement, je riais pas du tout à la base quand je suis rentrée dans cette photolocation. Hi! Et en fait, je pense que le passage avec Minnie va être très drôle parce que j'étais complètement horrifiée. J'étais là en mode ne me touche pas, ne me fais pas de bisous, non, ne t'approche pas de moi. Du coup, je pense que sur les photos, j'ai l'air très heureuse. J'ai pas encore eu l'occasion de voir ça. Par contre, je suis super contente parce que du coup, comme Mickey était séparé d'elle, je pense que les photos avec Mickey vont vraiment bien rendre. Je lui ai dit que j'étais amoureuse de lui et il m'a fait des gros bisous et des gros câlins et j'étais trop contente. Voilà. Maintenant je vais aller faire l'exposition sur Walt Disney. Je voulais le faire lors de ma première journée ici mais j'ai pas eu le temps. Et c'est vrai que c'était quelque chose que j'avais beaucoup aimé faire il y a 2 ans. Donc je vais vous emmener avec moi, vous montrer un petit peu tout ce qui se cache dans cet endroit. Et je pense que pour les fans Disney c'est vraiment une attraction à faire. Je veux un truc comme ça à Disneyland Paris. Genre vraiment, ce serait tellement parfait. Regardez-moi toutes ces pièces de collection, toutes ces pièces d'archives. En tant que fan Disney, c'est juste un régal d'être ici. C'est comme ça qu'étaient faits les anciens films d'animation. C'est la superposition de toutes ces couches en fait qui permettent d'avoir le plan que vous avez vu juste au-dessus. Et ça c'est ce qu'on appelle la caméra multiplane en fait. The different elements in the scene were separated according to their varying distances from the viewer. Donc ça c'est toute la partie qui porte sur Disneyland Californie, son ouverture. C'est quand même un très grand moment historique dans l'histoire de Walt Disney. Hein. Donc on a la maquette qui est juste ici. L'émission produite par Walt Disney qui a permis de financer en partie Disneyland. Et les premiers plans. C'est impressionnant.
pouvez le voir, l'exposition est assez grande et elle est surtout très complète puisqu'elle parle vraiment de l'histoire de Disney dans son ensemble, autant les films que les parcs. Là, il y a une maquette de tout ce qui est Adventureland avec Jungle Cruise. C'est vraiment sublimissime. Là, c'est le deuxième parc du coup, Disneyland California Adventures. Et après, on passe à la partie plus Walt Disney World. C'est drôle quand on y pense parce que cette maquette est plus du tout d'actualité puisque comme vous le voyez, c'est Paradise Pier. Or, Pixar Pier a ouvert ses portes il y a quelques jours, donc à voir s'ils updateront cette petite maquette. Et en fait, donc après cette partie-là sur Walt Disney World, on passe à tout ce qui touche à Toy Story Playland, donc les projets, etc. Et ça, par contre, c'est une partie que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup ce fait de pouvoir avoir des maquettes, des concept art, des choses qui sont à venir dans les parcs Disney. Je trouve ça magnifique. Ça, c'est la maquette. C'est grand, en fait, hein. Enfin, ça a l'air comme ça immense. Il y a aussi cette partie-ci sur Mickey et Minnie Runaway Railway. Et là, tout ce qui touche à Star Wars, le nouveau land. Magnifique. Je sais pas si on se rend compte dans le vlog, mais les maquettes sont vraiment immenses, hein. Mickey fit into need exactly. He brought in the money which saved the day. He enabled us to explore our medium, and he paved the way for our more elaborate screen ventures. By nature, I'm an experimenter, so I had another idea which was plaguing my brain. It was the Silly Symphonies. It was a series without a central character. Bon, et bien très très belle surprise ce film. Alors c'est un documentaire de 15 minutes sur l'histoire de Walt Disney. J'ai beaucoup aimé, principalement parce qu'il y a énormément d'extraits d'archives, autant la voix que les images, ce qui fait que vous avez toute une partie du documentaire qui est racontée par Walt Disney lui-même, ce qui rajoute vraiment une dimension très émotionnelle à tout ça. Il faut savoir qu'il y a 2 ans, quand je l'avais fait, en fait c'était un documentaire sur Zootopie avec des extraits du film et des moments où les producteurs parlaient, et c'était un moment qui était très fort pour moi puisque je venais de rencontrer les producteurs juste avant de partir, donc c'était quand même assez ouf. Mais là du coup je trouve que ça rajoute complètement autre chose, et je pense qu'en tant que fan Disney, c'est vraiment un grand plaisir d'avoir la chance de pouvoir faire ça, et surtout ça a complètement sa place ici en fait. Et là encore, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on a pas ça à Disneyland Paris. Là maintenant je vais aller faire La Belle et la Bête, donc le spectacle que je vous avais montré la dernière fois. Je vais essayer de voir si je peux avoir une meilleure place parce que la dernière fois j'étais vraiment tout au fond, et j'aimerais bien faire quelques petites photos. Thank you.
Il y en a combien de couleurs différentes? Bon, alors, morale de ce spectacle, j'avoue que je vois pas beaucoup la différence avec Disneyland Paris, à part le Tortue Ninja et les Stormtroopers noirs qui ressemblent à des cafards. Sinon j'ai l'impression qu'on a les mêmes personnages à Disneyland Paris. Je sais pas si on a Kylo Ren, je me souviens plus. J'avoue que le spectacle m'a pas trop marqué. Quand on n'est pas fan de Star Wars, je vous avoue que ce spectacle là, il laisse franchement insensible. Je suis plus en mode, c'est qui lui? Mais bon, au moins je l'aurais vu au moins une fois. Et surtout que Star Wars est omniprésent sur ce parc. Donc du coup c'était l'occasion de le voir. C'était pas du tout prévu de base hein, que je le regarde. Je passais juste par là quand ça a commencé. Alors bah, tant qu'à faire autant le regarder hein. Donc là on est dans un espace que vous aviez un petit peu vu sur le vlog avec le voyage of Little Mermaid ici. Et en fait là vous avez toute une partie Star Wars. Et là c'est le spectacle Disney Junior avec la photo location pour rencontrer les personnages. Donc vous avez Jacques du Pays Imaginaire et Sophia. La Pixie Army, je voulais vous garder la surprise mais c'est beaucoup trop tentant de vous le dire. Alors aujourd'hui j'ai fait quelque chose d'assez fou puisque j'ai mangé avec un Imagina à Disney Hollywood Studios. Je ne veux pas vous en dire plus parce que je vous réserve ça pour une vidéo assez spéciale que j'ai hâte que vous voyez, mais ce que je vous propose de faire c'est d'aller vérifier au Magic Kingdom les Iden Mickey qui nous ont été donnés et voir s'ils sont vrais ou pas. Je pense que ça peut être drôle de chercher ça ensemble, donc je vous emmène avec moi. Et donc du coup bye bye Hollywood Studios, let's go to Magic Kingdom. And now, please welcome our friends from the land of the Mystic Mountains. Great moments in history. La 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 la. Great moments in history. And this one features more. Yeah.